Imbiasa fanatanjahantena, fandarana natao antsika mpaka sitraka sy mpakafy miresaka sport. Izay ny antony namoronana ity fandarana ity. Miaraba tompo kilasy tompo vavy ary manaso anao manaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny atletisma dia nanao ny hazakazaka 15 km de tanàha ry zareo ao amin'ny mpakafy ity hazakazaka ity. Nandraisany daholo be anjary moa izy ity ary tao ihany koa ireo matianina ao anatin'ity hazakazaka ity ary ao any andinindinina. Ataony farany herinandro lasa teo ny dimy folo kilometatra de tanàha no karakarainy sectionna Tanaville nandraisan'ny mpakafy hazakazaka tsakanavaka izy ity. Nampitraotsy avy amin'ny kospiena boeny noho ny batany amboara teo amin'ny lehilahy raha navita ny alavilana dimy kilometatra tao anatiny valo ambin'ny folo minitra sy dimy ambin'ny folo sekonda. Lalainy Elve Patrik lalay Arimanana 7:20 minitra sy 2:50 sekonda ary Iadra Nirina Andriamparana izay navita 5 minitra 2:30 sekonda. Teo amin'ny vehivavy kosa dia ny Trois France no nanjaka. Naniry Safindrafara no tonga voalohany raha navita teo amin'ny 1:50 minitra sy 0:02 sekonda. Lalainy Seno Rary Nirina 1:50 minitra sy 2:50 sekonda teo amin'ny semi marathon io. Ary ny fahatelo de iny atleta avy any amin'ny Knaps Olivia Rabemihoatra 3:50 minitra 5 sekonda. Toy mahazatra de ny fara tamin'ny fiarana mandiso mbany hetsika. Eo amin'ny tsipika netibe champion d'afrique ho an'ny vehivavy zay natao tany Tunisy, vice champion ny malagasy teo amin'ny resaka triplety, fa kosa tsika no nandrombaka ny voalohany teo amin'ny tir de précision zay nataony asana jereo ary ny andinindiny rombahiny madagasikara indray ny amboara teo amin'ny tir de précision teo amin'ny champion d'afrique natao tany Tunisie. Azo ny asana malala arison ny titre rehefa nandresy ny hotenany pays izy tamin'ny isa 5:20 no tela 20. Teo amin'ny triplety kosa de vice champion no toerana azon'ny Madagasikara. Tsy afaka teo anatiandry zareo tunisianna mantsy isika fa nanomboka de efa nitarika ry zareo tunisianna tamin'ny isa 5 avy eo lasa 7 ary ny afara tamin'ny 13:00 izany. Hikatina teo indray zany aloha ity tompondakany afrika ity ho an'ny vehivavy. Ho an'ny tita kosa dia anomana ny mondiala doublette izy zay ataony Espagne amin'ity volana mey ity. Ijanona eo amin'ny tsipika netibe ihany tsika izay etindray dia janona eto an-tanànytsika satria dia natao teny ampifiloha azy ny fifaninanana koa izy ity ho an'ny taranja rehetra zany andindiny avy atrany ary noarahantsika amin'izao. Tsipika netibe ihany dia ao anatin'ny fiadinana izay tompondakan'ny Madagasikara isika amin'izao fotoana izao zay atao etsy amin'ny ANS Ampefiloha. Ekipa 5:0 no mandray anjara ao anatin'izany lalao izany ahitana solotena maromaro avy any amin'ny faritra. Mbola fifanitranana ihany moa ity hetsika atao ity izay amoahana solotena hiakatra amin'ny dingana manaraka. Misy ihany moa ny olana nosedrain'ireto federasiona malagasy ny petanque ireto amin'ity fikarakarana izay tompondakan'ny Madagasikara ity araka izao fanazavan'zareo azy izao. Izy ity aloha zany aloha dia tsara mihitsy ny mamafantatra zany fa na de misy ara ro fanakiana ateraka soma tsara ihany ty ary betsaka mpandray anjara satria dia natratra 5:50 zany a ny mpandray anjara amin'ity premiere étape ity. Marina fa misy 3 étape izy ity zany a dia grande finale 48 équipe système suisse a dia champion de Madagasikara eo a tsy maintsy mandray anjara amin'ny championnat d'Afrika zay atao any Togo any amin'ny volana jona eo. Ao anatin'ny étape misy foana prise omena ho an'ny équipe champion ho an'ny étape endrika iray a ivoahana amin'ny grande finale étape na championnat izy ity a championnat de Madagasikara triplete homme. Misy étape anakitelo izy io. Première étape, c'est Tateranandouane, Mamouana, 6 équipes. Une deuxième étape, c'est 15 avril, et
6 équipes ayant coupé nous faut comme ça. Troisième étape, c'est à dire à Bouramang, à 18-19 mai. 6 équipes, 40 finales, nous avons oisé, 48 équipes nous m'adayons. C'est à dire à Bouramang. Nasartia un mat comme il t'a l'auti, adas la reda micharafa, la l'opidenen istisa titia. Ananatsika malagasy tsika efa sy olona tokoa ny mpilalaovan'izany. Na eto Antananarivo ary dia maro ireo solotena mandeha anjara ao anatin'izy ity satria dia saika hitana mpilalao tsipika netibe avokoa saika ny elakelatra any rehetra ary dia izao miditra amin'ny sehatra matianina izao. Sendray dia asa lalao manatoteny vato no hanomboatsika azy. Aorianan'izay dia anaraka ndretsika ny fampivondronana sy fisaonana tamin'ireo mpanamory ary dia famaranana jany dia omentsika koa zany ireo fandaranam-potoana sy fandarana azy izay ho atao mandritra ny didaona ity. Rali sy lalaoma mihitsy tsy ory rakoto miarana nitondra ny Peugeot 106 noho ny batany amboara teo amin'ny fifaninanana familiana fiarakodia sy lalaoma natao teny vato ity. Raha navita 2:55:77 izay raha novelona kosa teo amin'ny toerana faharoa navita 2:50:63 nitondra ny fiara Citroën C2 fa nira somary maka no nahazo toerana fahatelo raha navita 2:50:67 nakotsika ny fanitranana nahitana karazana fiara maro toy ny groskar fiara kely 505 fiara tsanay sy fiara vaovao. Noho ny toetrandro ratsy moa dia tara vao nanomboka ity fifaninanana ity satria voatery namboarina ny lalana nampiasana fitaovana vaventy mihitsy izany. Efa mivoaka koa moa ankehitriny ny fandaram-potoana ho an'ny fifaninanana ao anatin'ity fifanitranana familiana fiarakodia ity ihany zany na fiterasao malagasy de lotomoto. Marina moa fa mbola isy ny fiovana ao anatin'ity fandaram-potoana ity araka ny lazainzareo tompony andraikitra ihany izany. Eny Arivomamy zany no fotoana manaraka raha ity fandaram-potoana ity. Ireto ary ny fandaram-potoana ho an'ity taona 5:30 ity eo amin'ny tompon'akan'i Madagasikara amin'ny familiana fiarakodia TMF Rally 13-20 Martsa slalom rano mata 13 Martsa ranona asakama 6-7 Aprily slalom taxi MSA ACCT 20-20 Aprily rally azatana 9-10 Mai slalom SRK 20-20 Mai kartina FMMSM 7-20 Mai rally ny asakama ny roa événement FSM ny roa jona dia événement FSM asakama 7-10 jona rally SRK 13 jona kartina MSA 7-13 jona slalom rano mata 7 Jolay rano tasa MM 20-13 jolay rally SRK 13 jolay kartina MSA 7 o rano TMF rally 7-20 o rally asakama 7 septambra rano azatana 13-17 septambra rally SRK 20-20 septambra kartina FMMSM 20-20 septambra slalom FSM 10-20 octobra 50 taona ny rim SRK 20 octobra kartina rano mata 7-20 octobra rano taxi 7-20 septambra slalom SRK 7-20 novembra
Trofekartin ACCT 7-8 septembre slalom. Ho any anaty rano resaka filomanosana no resaka eto andeha raha antsika ny andinindiny avy hatrany efatra ambin'ny folo ny kloba mandray anjara dia 80 ny atleta nandray anjara dia 80 ny SMCN na ilona izany tena tazana eo karaka ny fivolavenira moa zany raha antsika mahita izay fa andeha fasivitsika izao zany hoe isataona zany izay manao an'izy io a ary ny tanjona dia fampianarana ny ankizy ady indrindra ny ambidiko indrindra anana fomba fijery zany a any amin'ny avolenta indrindra amin'ny international satria raha ny reglement teknika zay ao anatin'ny fivolavenira dia miditra ao anatin'izay sehatra internationaly a zay fomba fijery internationaly zay efa maro raha tsy laza Muriel Michael betsaka zany ny falasa mitsika ohatr'izay keo moa zany amin'ny club hafa zay misondrika fainoana fa misy anjara biriky kely mety ny SSL na tonga zay zavatra zay fokatry ny basketball no lalao nentina ambondrinana sy nampisehoana fihavanana tao anatin'ity sekoly anankiray ity natao izy ity mba hifaneraseran'ireo generation ny fandimby nandalo tao amin'ity ekoly ity nandinidinina avy hatrany izany a resaka tournoi entrainay rehetrarehetra aminitsika hoe zany hoe promotion na efa arjabina le mbola tatsoary de le promotion rehetrarehetra izany a manao marathon d'une journée de zay mandresy amin'iny a mahazo ambe ko dia amin'ity koa ny anaovanay fanomanana an'ilay sy matriny atao zay moa izay karakarainy ancien misika hoe amiko dia misy mandritra an'ilay journée koa zany misy ny atao hoe chaussée de fi a zany hoe mandita olo zany mpianatrinsika eo dia ohatraohatra izay zany ley izy dia mahafinaritra mifekaratriny da tsara be ley izy amikozay a fait misy fona zany tiako promotion isaka eo fata promotion foot basket volley zavatra be lepeojany atra amin'ny combat fa rehefa session début d'année trois zay manao basket satria manana symatriny rehefa session vers fin fin d'année zay manao foot a satria manana kikof de ohatrzay fona zany fataonay fa manana natotomoa ale externe zany hoe nanaovany tomoa interne somary sur deux semaines zany zay mikarakara an'ley izy aloha sarotra ley izy satria mila mandamina tournoi c'est-à-dire eo amin'ny 3-3 anatin'ny une journée de sarotra be zay zany mandamina zay satria mila fiara-miasa maro ley izy a de mila mitany le vola koa zany a mila avancerasiny zany de mila hevitrenitra zany zay anatin'ley satria mila mbatea amle zavatra tsara zay e satria tsy mahinary koa zay mombana zavatra tsara manao antaiasa de manao
Il arriva en septembre 1989 lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde. L'équipe du Chili perdait 0-1 contre l'équipe du Brésil. Il restait 25 minutes avant le coup de sifflet final, quand tout à coup, une fusée éclairante fut jetée depuis la tribune des supporters du Brésil et atterrit sur le terrain, à côté du gardien chilien Roberto Rojas. Le footballeur s'écroula immédiatement sur la pelouse en se tenant la tête et ses coéquipiers se précipitèrent vers lui. Résultat, Rojas fut sorti du terrain avec ses coupures profondes sur le visage et le capitaine de l'équipe du Chili annonça que son équipe ne reviendrait pas sur le terrain pour cause de sécurité insuffisante. Il devait logiquement s'en suivre que les Chiliens obtiennent une victoire technique et arrivent directement à la Coupe du Monde. Cependant, après avoir vu la rediffusion, les arbitres commencèrent à douter de l'honnêteté de Rojas. Plus tard, on découvrit que le Gol s'était infligé lui-même ses coupures avec un scalpel qu'il avait caché dans son gant. Pour avoir faim à une blessure grave, la FIFA accorda au Brésil la victoire technique 2-0 lors du match. Rojas fut suspendu à vie et l'équipe nationale du Chili fut interdite de participer à la Coupe du Monde de 1994. Cependant, en 2001, et après les excuses de Rojas, la FIFA retira la sanction de celui-ci. De nos jours, il travaille comme entraîneur de gardien de but dans l'équipe brésilienne Sport Club do Recife. En espérant qu'il ne les forme pas aussi à la chirurgie faciale. Rosie Ruiz. Imaginez qu'une athlète inconnue arrive dans la ville et remporte contre toute attente le marathon avec en prime l'un des meilleurs résultats féminins de l'histoire du marathon de tous les temps. Vous penserez peut-être qu'il s'agit d'une personne talentueuse qui, jusqu'à présent, était restée cachée. Eh bien non. Rosie Ruiz a couru le marathon de Boston avec le temps record de 2h31 minutes et 56 secondes. Et à la ligne d'arrivée, elle avait l'air très en forme pour quelqu'un qui venait de parcourir une si grande distance. De plus, elle apparaissait vaguement dans les détails du parcours et ni les juges ni les autres coureurs ne se souvenaient d'elle parmi les leaders. Un peu étrange, n'est-ce pas? Tout devint clair grâce à deux témoins qui déclarèrent que Ruiz était sortie de derrière la foule pour rejoindre la course à seulement 1 km de la ligne d'arrivée. D'autres se souvinrent avoir vu la coureuse dans le métro, moyen qui l'aida à parcourir la majeure partie du marathon. Toujours est-il que Rosie fut logiquement disqualifiée. Maintenant, les organisateurs de marathon utilisent des puces contenant des transpondeurs miniatures pour suivre les coureurs. Les tricheurs peuvent remercier Madame Ruiz. Lance Armstrong. Il avait tellement de mérite au cyclisme qu'on le connaissait, au moins de nom et de sport, même sans s'intéresser le moins du monde au cyclisme. Sept fois vainqueur du Tour de France, il était au sommet du cyclisme à une époque. Il prit même sa retraite en 2013, et même à l'époque, on ignorait toujours que c'était un tricheur. Or, il semble que cette chance, de ne pas être pris, avait elle aussi pris sa retraite avec lui, car peu de temps après, on entama une enquête qui mit en lumière tout un système de dopage en arrière-plan. Une substance créée spécialement pour être indétectable par les contrôles de cette époque-là. Cette enquête mit en avant des preuves si évidentes que le fait de nier cela serait absurde. C'est pourquoi il accorda cette interview à Oprah essentiellement pour dire que tout était vrai. Puisque vous ne pouvez plus reculer, il ne vous reste plus qu'à attaquer. Il ira jusqu'à reconnaître qu'il était humainement impossible de gagner 7 fois le Tour de France sans se doper. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de dépassement personnel, mais une question de dépassement humain. Ce ne sont alors pas vos réalisations, mais celles de la biologie et de la chimie dans tous les cas. Peut-être qu'il reste quelques vestiges de cela, mais de nos jours, à la suite de son histoire, le contrôle est beaucoup plus sévère. Un détail que lui-même reconnut quand on lui demanda s'il ne se sentait pas mal de l'avoir fait. D'après lui, non, il n'avait pas eu l'impression qu'il trichait, car les autres le faisaient aussi. Pouah, que de révélation. On a fini par lui retirer les médailles et lui interdire les compétitions professionnelles. J'imagine qu'on n'a pas pu toucher à l'argent qu'il avait gagné durant le parcours grâce à sa célébrité. Ainsi, bon, je suis sûr qu'il ne se sent pas si mal. Il y a même des personnes qui continuent à le défendre ou pire, qui affirment que le fait d'avoir dit la vérité est une autre preuve de son génie. S'il avait avoué en décrochant la 7e médaille, on le croirait encore.
Mais plusieurs années plus tard, alors qu'il avait déjà pris sa retraite et qu'on l'avait coincé, c'est comme s'il avait perdu un peu de sa superbe. Silverster Carmouche. Travailler un peu et être surtout culotté est une bonne manière de gagner. Silverster Carmouche avait ces deux qualités et en profita pour gagner sur l'hippodrome en 1990. Ce jour-là, il faisait très sombre. Il y avait un épais brouillard qui rendait le rythme de la course difficile à suivre. Malgré cela, elle ne fut pas suspendue. Le fait est que lors de cette course-là, Silverster dépassa largement ses coéquipiers et gagna. En fait, il était tellement rapide que même les autres jockeys ne l'ont pas vu passer. Bizarre. Il n'eut pas besoin de creuser beaucoup pour se rendre compte qu'il n'avait pas fait le tour et qu'il n'avait même pas traversé l'hippodrome par le milieu. En gros, il n'avait pas bougé. Il s'était caché dans le brouillard à un coin de la piste et, après qu'ils eurent fait le premier tour, il attendit un peu et sortit au bon moment pour gagner. Dans les enregistrements de cette course-là, on pouvait voir que pendant le premier tour, il y avait 8 chevaux et qu'à la fin, les 9 étaient là. Or, bien que le brouillard les cachait durant le premier tour, le vétérinaire constata que le cheval était tout frais, très détendu et tout propre. C'est à peine s'il était couvert de boue. Je ne sais pas si ça valait le coup pour Carmouche, car lorsqu'on apprit cela, on le chassa de la compétition. S'il voulait retourner sur l'hippodrome, il devait attendre rien qu'une dizaine d'années. Il aurait mieux fait de participer et de perdre comme il en avait l'habitude. En moyenne, il gagnait une fois sur 10. C'est-à-dire qu'en 53 fois, il n'avait remporté que 5 courses. Du coup, ça n'aurait pas changé grand-chose. Les Jeux paralympiques. Les athlètes paralympiques sont classés en fonction de leur handicap. Certains sports ne peuvent être pratiqués seulement par des sportifs étant en fauteuil roulant ou ayant un handicap mental. C'est le cas du basket. Cela nous amène à un des plus grands scandales du sport, l'équipe d'Espagne de basket aux Jeux paralympiques de 2000. Lors de l'édition des Jeux paralympiques de 2000, l'équipe nationale d'Espagne est devenue championne paralympique de basket juste l'espace de quelques semaines. Nous sommes à Sydney, en octobre 2000. L'équipe d'Espagne de basket vient de remporter tous ses matchs. En finale, elle affronte l'équipe redoutable de la Russie, considérée comme une des meilleures du monde. L'équipe des Espagnols remporte le match 87 à 63. La bannière espagnole est brandie, les joueurs sont heureux. Marca, quotidien sportif espagnol, publie alors la photo des vainqueurs. Seul problème, certains lecteurs ont reconnu des joueurs et ils ont assuré que la plupart n'étaient pas handicapés. Après enquête, le comité paralympique a découvert que 10 des 12 joueurs de l'équipe n'étaient pas handicapés du tout. Pour être qualifié comme handicapé mental, selon le comité paralympique, il fallait avoir un QI de moins de 70. Certes, deux personnes avec un QI de moins de 70 se trouvaient bien dans la sélection espagnole, mais elles ne furent pratiquement pas sollicitées sur le terrain. Fait anecdotique, alors que l'Espagne écrasait la Chine de 30 points lors d'un match de poule, l'entraîneur de l'Espagne a déclaré pendant un temps mort « Les gars, baissez le rythme ou ils vont vraiment se demander si vous êtes handicapés ». Suite à ce scandale, l'Espagne a vu sa médaille retirée. Les dirigeants du comité paralympique d'Espagne démissionnèrent, l'équipe nationale fut disqualifiée et ce sont les joueurs de basketball de l'équipe nationale russe qui remportèrent le match lors des Jeux paralympiques de Sydney de 2000. Les handicapés mentaux n'ont plus eu le droit de participer aux Olympiades paralympiques. Le comité international paralympique ayant déclaré qu'il était trop difficile de détecter un handicap comme celui-ci jusqu'aux Jeux de Londres en 2012. Preuve que la bêtise des uns fait le malheur des autres. Tonya Harding. Ceci est déjà à un niveau supérieur pour gagner. Il ne s'agit pas de tricher pour avoir des avantages dans la compétition, mais d'éliminer directement ses concurrents. C'est ce qu'on essaya de faire avec Nancy Kerrigan au début de l'année 1994. Nancy et Tonya Harding étaient les deux favorites pour gagner la compétition de patinage artistique. Cependant, il y avait quelqu'un qui n'était pas très confiant dans les possibilités de l'une d'elles et voulait s'assurer qu'elle gagne. Le mari de Tonya et un ami à lui engagèrent une brute pour casser la jambe de Nancy. Des années plus tard, ce voyou avoua qu'au début, le mari lui avait demandé de lui couper le tendon d'Achille. Or, il avait dit qu'il ne ferait pas une telle chose. Ainsi, en mettant au point les détails, il convint qu'il lui casserait uniquement la jambe, chose qu'il accepta de faire. Le jour de l'attaque, Nancy et Tonya s'entraînaient à Détroit. C'était une séance filmée car c'était la dernière avant la compétition et grâce à cela, on put visualiser les secondes qui précédèrent l'attaque. On put voir Nancy s'entraîner, quitter la piste et juste après, ce qui devait arriver arriva. Le voyou surgit d'un coin, lui assena un coup avec un bâton et sortit en courant, si nerveux qu'il percuta une porte vitrée. Malgré cela, il se reprit et s'enfuit, mais pas pour longtemps. Pas de tendon d'Achille ni d'os cassé.
La douleur était grande, mais pire, c'était la peur de l'attaque et du fait que cela pouvait se reproduire. De toute façon, bien qu'elle n'eût rien de cassé, Nancy ne participa pas au championnat national et ce fut Tonya qui le remporta. L'attaque était censée aussi éloigner Nancy des Jeux Olympiques, sauf qu'à ce moment-là, elle était déjà rétablie et elle termina deuxième et remporta la médaille d'argent alors que Tonya termina seulement huitième. Il y a 14 jambes à casser quand vous êtes huitième, et ça fait beaucoup de jambes. À la fin, bien sûr, la vérité éclata. On arrêta le mari, l'ami, le voyou qui avait été payé 7 000 $ pour commettre l'attaque. Tonya ne fut pas épargnée non plus. Le titre qu'elle avait gagné lui fut retiré et elle devint une paria. Elle ne put même... Fantastique, on a nous, mais tu peux pas me faire un mauvais, hein? Fantastique, tu sais, on a la bataille.